29 personnes connectées là. Voilà, on fait un test. Voilà. Signalez ma vidéo. Signalez vidéo. Là, voici, pas fait vidéo. Signalez direct là. Les 30 personnes là. Il sait pas. Signalez la vidéo là. Voilà. On fait un test micro. Signalez direct là. Vous êtes 30. Appuyez où on signale là. Signalez puis voir ce qui s'est passé ici. Voilà. Parce qu'il y a trop de mensonges là. Signalez vidéo là, signalez ça. Moi, je vous donne l'ordre. Signalez ça. Signalez vidéo là. Il est dans ce morceau là. Voilà, c'est le fin fond de le Maou. Voilà. Ça c'est fini. C'est moi encore du voix. Le Maou.
signaler vidéo là, signaler ça. Il faut signaler la vidéo là, signal direct là, faut signaler ça. Bon, je pense qu'on va commencer. Hein. Voilà, attends, on va le rabat ici. On va commencer dans 30 secondes. Signaler la vidéo, signaler ça. Vidéo là, signaler. Faut ça coule, faut signaler vidéo là, signaler ça y voir. Signaler la vidéo là. Bon, le Maou. Voilà. Où est le champion? Voilà. Ah, c'est le Maou ça. C'est fort, non? Si c'est fort, là, dites-moi, être luné. Afoué. Si c'est fort, là, dis-moi, être luné. La musique, là. Si c'est fort. Lasse-touré. C'est fort, la musique, là. Si c'est fort, là, dites-moi, être signalé. Eh, y'a ce. J'ai diminué le son. Laisse le son. C'est pas fort, non? On m'entend bien, non? Ok, y'a fort. Y'a fort. Y'a fort. Bon. Le direct a commencé. Voilà. Bonsoir, mes frères. Bonsoir, mes soeurs. Bonsoir à tous ces 42 personnes qui sont connectées en ce jour dominical du dimanche 9 décembre. Voilà. Le dessin animé. Par le biais de cette vidéo, est venu vous entretenir sur les faits qui minent, qui gangrènent notre société, en l'occurrence en Côte d'Ivoire. Nul n'est censé ignorer qu'il y a un jeune du nord du pays, nommé son nom à l'état civil, c'est Soro Tambo. Voilà, Soro Tambo, alias Carton Noir. Voilà. Un vrai Ivoirien, un digne fils du Nord, voilà, qui était manipulé dans le temps, voilà, par les sbires venus d'ailleurs, afin de s'accaparer notre pays et notre richesse. Dès que ce petit natif de Korogo a eu les yeux ouverts, il a commencé à dénoncer la supercherie, la malvenance du pouvoir Dramon Ouattara. Voilà. Comme toute attente, l'enfant il fait des vidéos. En tout cas, je le félicite et je lui rends un vibrant hommage. Bien vrai, c'est pas permis à tout le monde de faire des vidéos. Même nous-mêmes, on s'est dit le courageux là. C'est parce qu'on est en France ici qu'on fait vidéo. Voilà, c'est parce qu'on sait que ouais, ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, ils ne peuvent pas nous atteindre. Raison pour laquelle on fait des vidéos et puis on dénonce. Mais le jeune Carton Noir a pris son courage, il a pris son destin en main, étant dans le nid, dans le bastion des forces du mal, des forces hostiles. Il n'a pas pensé à sa sécurité et il a commencé à dénoncer le pouvoir du Dramon Ouattara. Voilà. Moi-même, je me tourne, je lui dis, mais attends, l'enfant là, il est où ça? Il est en Côte d'Ivoire ou bien il est dans un autre pays. Mais c'est après beaucoup d'investigations. J'ai su que ce petit, il était à Korogo. Il était assis dans le bastion, dans le fief même. Et il dénonçait le pouvoir de Dramon Ouattara. Voilà. Sans faux fuyant, il disait ce qu'il pensait. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? L'enfant a été incarcéré. D'abord à la DSD,
pour ensuite être déporté à la Mata, où il est mal en point. Mais comme on connaît les manières de procéder, peut-être qu'ils sont en train de l'empoisonner en petit feu. Lorsqu'il va sortir, 5 mois après, il va mourir. Parce que non, c'est ça. On connaît les mots opératoires. Tous ceux qui ont visité, tous ces militants pro-Gbagbo et d'autres acteurs de la société civile qui ont dénoncé ce pouvoir en place, lorsqu'ils ont fait un séjour à la Maca, à la sortie, ont été toujours mal en point. Ce n'est pas Samba David qui me dira le contraire. Et aussi, quoi Justin aussi, qui me dira le contraire. L'enfant est maintenu dans le goulag du Draman Ouattara, dans les geôles de Ouattara, où il ne reçoit aucun soin. Mais, venez-en au fait, on ne comprend pas quoi. C'est vous les mêmes qui avez dit... Attends, le son est trop fort. Voilà. Et Maoka, tu es ici, même si on dit les Ivoiriens, Molo Molo, qui est tout en vie, les gens. Voilà, c'est bon comme ça, non? C'est bon, le son? Je vais mettre ça à côté ici, là. Voilà. Voilà. Donc, il disait, l'enfant a pris son courage et il a commencé à dénoncer les méfaits de Draman Ouattara. Vu que ce que Ouattara avait dit au début, les amadoués, c'est pas ce qui se passait sur le terrain. Voilà. Donc il a fait un amer constat, raison pour laquelle il a pris son bâton de pèlerin. Voilà. Malgré le danger, il a commencé à faire des vidéos dans son Kologo natal, en train de dénoncer le pouvoir en place. Contre toute attente, soudain, brusquement, l'enfant a été happé de sa terre natale pour être déporté à la DSD et ensuite incarcéré à la Maca. Maintenant, on ne comprend pas. Alors, on veut poser une question à Ouattara. C'est toi le même qui avait dit que tu étais venu pour les gens du Nord, voilà, afin qu'ils aient une vie meilleure sur ta gouvernance. Sur ta gouvernance. Raison pour laquelle tu les as embobinés, tu les as endoctrinés, tu as dit que les gens n'aimaient pas les gens du Nord, tu as dit que c'est parce que tu étais musulman que les gens refusaient ta candidature. Or, c'était le contraire. C'était juste pour phagocyter les esprits à adhérer à ta doctrine machiavélique. Voilà. Lorsqu'ils t'ont porté au pouvoir, après cette rébellion sanguinolente qui a endeuillé nombreux de nos compatriotes, de ton trône, tu as commencé à les narguer, à les marginaliser. Nous, on pensait que tu étais le Messie. On pensait que tu étais Jésus, qui allait venir changer le Nord du bout d'un bâton magique. Mais ce n'est pas ce que les frères du Nord ont constaté. Ils ont su que ouais, tu étais un roublard. Voilà, tu étais dans la machination. Voilà, dans la calomnie, dans la haine. Tout ça pour accéder au pouvoir. Donc tu nous as opposés les uns contre les autres. Voilà. Avec quelques saltimbanques, tes spadassins, tes sbires que tu as ramenés de je ne sais où pour venir les introduire en Côte d'Ivoire afin de ôter la vie aux vrais Ivoiriens. Voilà. Le petit carton noir a fait les frais. En temps normal, carton noir ne devait pas être incarcéré à la Maca. Parce que c'est lui et ses frères du Nord qui t'ont porté au pouvoir. Voilà. Ils ont versé le sang pour te porter au pouvoir. Donc comme récompense, tu es en train de brimer les fils du Nord et tuer. Voilà, c'est pas le petit du Rassi là. Soro Cognon, qui me dira le contraire. Lui aussi, il a été tué. Et bizarrement, c'est que les Soro ont tué. Si ce n'est pas Soro Cognon, c'est Soro Tambo qui est incarcéré à Maca. Ou bien c'est Soro Kanigi qui est dans le collimateur de ce pouvoir. Voilà. Moi aujourd'hui, je fais cette vidéo pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience au niveau des frères du Nord. Voilà. Raison pour laquelle je dis ce morceau. Il y a une prise de conscience. Voilà. Au niveau des frères du Nord. Parce qu'ils ont compris qu'ils ont été manipulés par Draman Ouattara. Mais comme on le dit, le sang ne se perd jamais.
Parce que nous sommes tous Ivoiriens. Nous avons des gènes de la Côte d'Ivoire. Nous avons des gènes Ivoiriens. Voilà, qui circulent dans nos veines. Raison pour laquelle ces gens se sont réveillés. Il n'est jamais temps pour mieux faire. Voilà. J'ai vu la vidéo. Parce qu'entre nous, on se connaît. Hein. Voilà. Entre nous, là, on se connaît. J'ai vu la vidéo de l'honorable Konaté Zié qui a demandé à Adama Bitogo, ton village c'est où? Mais demander le village de quelqu'un, ce n'est pas une injure. C'est juste savoir d'où tu viens. Voilà. Parce que nous sommes dans un monde moderne. On ne vit pas avec les extraterrestres pour pouvoir vivre avec des gens étranges. Voilà. Raison pour laquelle les gens ont demandé son village c'est où? Son village c'est où? Donc lorsqu'on te demande ton village c'est où? C'est pas une injure. C'est juste voir d'où tu viens. Aujourd'hui le petit il est emprisonné. Pourtant vous avez dit vous êtes venu au pouvoir pour porter, pour que les gens du Nord aient un avenir radieux. C'est pas le constat. En 8 ans, voire 10 ans de gouvernance, le nord est toujours resté aride, tel un désert. Au moins, si tu avais placé un oasis, on pourrait du nord, un endroit du nord, il y a un oasis. Mais le nord est toujours désertique. Les gens ont vu votre supercherie, ils ont commencé à vous dénoncer. Or, sous le pouvoir de Laurent Gbagbo, il n'a jamais emprisonné les leaders d'opinion. Il a toujours cherché à s'asseoir et discuter avec eux. Raison pour laquelle il les a fait appel pour former un gouvernement d'ouverture. Sinon, il y a une logique qui dit qu'on ne négocie pas avec une rébellion. La rébellion, c'est mat. Mais Laurent Gbagbo a vu que c'était ses frères du Nord qui avaient été manipulés. Raison pour laquelle il ne voulait pas verser le sang des Ivoiriens. Il a voulu négocier avec la rébellion. Parce qu'il a vu qu'en face d'eux, c'est des Ivoiriens. Sinon, la rébellion. Toute rébellion, c'est mat. Mais c'est pas parce que ton frère, de même père, même mère, va s'insurger avec tes idéologies que tu as loté la vie. C'est dans cette optique que le président Laurent Gbagbo était, raison pour laquelle il a voulu négocier avec la rébellion. Sinon, on ne négocie pas avec la rébellion. Rebelle égale à terroriste. Terroriste, c'est l'homme qui terrorise. Voilà. L'enfant, on le prend, on l'amène à la DST. Mais a-t-il tenu de propos mensongers? On se pose la question. Voilà. On dit, ouais, porter atteinte à la sécurité de l'État. Mais montrez-nous une vidéo où le petit carton noir veut porter atteinte à la sécurité de l'État. Mais par contre, toi Ouattara, quand tu étais dans l'opposition, tu as dit que tu vas tout Nyagami dans ce pays. Voilà. À cette troupe à l'ordre public. Voilà. Porter atteinte à la santé de l'État. Le fait qu'un homme de l'opposition dit ouais, dans ce pays, on va tout Nyagami. Au moment opportun, je frapperai ce pouvoir et il tombera. On ne t'a jamais mis en prison. Voilà. Or, ça, c'est des propos incendiaires. Mais on ne t'a jamais mis en prison. Aujourd'hui, les gens, tu les as muselés. Ils ne peuvent pas s'exprimer. C'est une dictature qui ne dit pas son nom. Mais 2000, ne sont pas l'année 2020. Les gens du Nord ont compris. Raison pour laquelle maintenant, on veut faire la part des choses. Voilà. Vous allez plus prendre les gens étranges pour venir les injecter dans leur pays pour dire non, qu'ils sont Ivoiriens. Voilà. Ce n'est pas une histoire de xénophobie. Mais nous, on préserve notre identité. Voilà. Parce qu'à cette allure, si on ne dénonce pas, il n'aura pas d'Ivoirien réel. Il n'aura pas d'Ivoirien de souche. Donc sur ce, je fais un petit big up à l'honorable, je ne sais pas, Konaté Zié, qui a fait une vidéo. Bon, Koyaka, attendez, Koyaka a monté la vidéo. Voilà, il a posé question à l'autre, Morola. Bitogo. Arma Bitogo. Bitogo, je ne sais pas c'est quel nom. Je ne sais pas c'est de quelle région. Bitogo. Voilà. Ça, ce n'est pas une question de xénophobie. Voilà. On veut aussi enseigner à nos enfants pour dire, ah, les Ivoiriens, voici les noms Ivoiriens, voici les noms étrangers.
Mais quand tu fais cela, on dit non, ils sont xénophobes. Non, ils n'aiment pas les étrangers. Non, mais ce n'est pas une question de... On n'aime pas les étrangers. On veut marquer une restriction. Voilà. Quand tu es chez toi, il y a un comportement que tu dois adopter. Quand tu n'es pas chez toi, il y a un comportement que tu dois adopter. Voilà. Il ne faut pas confondre la liberté avec le libertinage. Voilà. S'inscrit dans une logique de libertinage et enfreindre l'institution de l'État dans lequel tu résides. Voilà. Parce que ne confondez pas liberté avec libertinage. Au fait, vous avez du mal à savoir définir les mots dans leur étymologie propre. La raison pour laquelle, nous, on va vous amener la raison. Bien vrai qu'on n'est pas là à l'école, mais on sera toujours là pour vous dénoncer. Voilà. Voici la vidéo de ce gars-là. Le député là. Député. Voilà. Il a posé la question. Il veut se renseigner, il ne sait pas. Il dit, ton village, c'est où? Ton village, c'est où? C'est pas un jus, ça c'est un jus. Attendez. Venez vous asseoir, sinon on vous chasse. Côte d'Ivoire là c'est pour vous. Côte d'Ivoire là c'est pour vous. Toi du Togo là ton village c'est où? Ton village là c'est où? Et puis tu vas donner ordre comme ça à quelqu'un. Tu peux parler comme ça à Agovi devant les Abel. Abel, Agovi là c'est ton village. Voilà. Donc lui c'est un RDR. Voilà. Vu qu'ils ont vu la supercherie de Ouattara, les gens sont en train de se réveiller. Voilà. Parce que Ouattara a fait croire que le Traoré du Mali est un Traoré de Côte d'Ivoire. Voilà. Mais comme les gens du Nord, Ouattara a phagocyté leur esprit comme quoi, non, vous êtes marginalisés, les gens n'ont plus de pouvoir, ils ne s'occupent pas de vous. Raison pour laquelle il a essayé de phagocyter les cervelles pour venir attaquer la République. Maintenant, ils se ressaisissent. Quand un député demande à Adama Bitogo, ton village c'est où? C'est qu'il y a un doute sur sa nationalité. C'est qu'il y a un doute sur sa provenance. Voilà, comme le président, lui son village on ne connaît pas. Voilà, moi j'ai jamais vu quelqu'un, un haut cadre, qui n'a pas d'édifice dans son village. Bédier, il a construit dans son village. Voilà, Gbagbo, c'est Mama. Gueye, c'est Kabakouma. Toi, Dramo Ouattara, ton village, c'est où? On dit c'est Kong. Kong, là, faut monter ta grosse villa, ta grosse coupe que tu as construit là. Parce que moi, je ne comprends pas. Un gars qui est au cadre du Nord, un au cadre du Nord, tu n'as pas d'édifice dans ton village. Mais tout porte à croire que c'est la supercherie. Et ça, les gens du Nord ont compris. Voilà. Donc, sachez que vous n'allez plus nous manipuler. Voilà. Quand on parle d'Ivoirien d'abord, les gens disent non, que tu es xénophobe. Non, ce n'est pas une histoire de xénophobe. Voilà. Si un Ivoirien ne se sent pas à l'aise dans son pays, c'est où va se sentir à l'aise? Si un Ivoirien ne se sent pas à l'aise dans son pays, là, c'est où va se sentir à l'aise? Voilà. Mais on va vous comprendre. Vous avez deux pays. Donc vous voulez coûte que coûte brûler notre pays, voler nos richesses, et quand ça sera gâté, vous allez fuir pour aller dans vos pays. Et c'est ça votre objectif. Les gens du Nord, ils ont compris. Voilà. Il y a un journaliste qui parle sur BFM TV. Il s'appelle Sahiri Igor. Mais le nom Sahiri, on le touche en Côte d'Ivoire chez les BT. Moi, j'avais un collègue qui s'appelait Sahiri Lazare. Il y a un journaliste sur BFM. Hier, on faisait un reportage. Il s'appelle Igor Sahiri. Sahiri Igor. On le touche le même nom en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas pour autant ce Gaulois, ce Français, va dire qu'il est Ivoirien. Jamais. Ce n'est pas pour autant que mon ami, mon collègue gendarme, qui est en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Sahir, va dire qu'il est Français. Voilà.
Les gens donnent les noms parce que ils aiment les noms. Comme moi dans mon village, voilà, il y a des bêtises qu'on appelle Quadio. Les gens vont demander, mais pourquoi ce gars s'appelle Quadio? Parce que le papa bété qui s'appelait soit Dibela, il avait son ami Baoulé qu'on appelait Quadio. Voilà. Donc pour rendre hommage à son ami Baoulé qu'on appelait Quadio, il peut donner ce nom Quadio à son fils. Il peut donner le nom Quadio à son fils, ou bien le nom Touré à son fils. Je prends l'exemple de Eric Nanou. Voilà. Lui, c'est un bété de Soubré. Mais il s'appelle Koné. Il s'appelle Koné. Eric Nanou Koné. Oh ouais, c'est un bété. Mais quand tu veux fouiller bien, son père, soit ses ancêtres, on dit, ah, on avait un ami qu'on appelait Koné, qui nous faisait du bien, pour toujours penser à lui, je vous donne ce nom, Koné. Voilà. Moi, comme ça, moi, j'ai pas même nom à mon grand frère. Voilà. On n'a pas le même patronyme. Lui s'appelle Zouri. Voilà. Zouri, c'est le nom de mon papa. Zouri, c'est le nom de mon papa. Voilà. On n'a pas le même nom. Oh, pourtant, on est des frères. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, ne vous insérez pas dans les noms, dans les patronymes pour dire non, parce que ici, Traoré, ici, Ivoirien. Bon, tu es Traoré, tu es Ivoirien. Ton village, c'est où? Le député Konaté Zié, il veut me dire Konaté, il y a Konaté au Mali, il y a Konaté en Guinée. Mais Konaté Zié, là, on connaît. C'est un nom, c'est nouveau. Zié. Konaté Zié. C'est un nom, c'est nouveau. S'il a eu le courage de poser la question à Adama Bitogo, toi, ton village, c'est où? Mais c'est qu'il sait que ouais, le gars, c'est un homme étrange. Voilà, c'est des opportunistes. C'est des gens qu'on a accueillis parce qu'ils ont fait fortune. Ils veulent se croire plus ivoiriens que les vrais ivoiriens. Donc, entre nous, on se connaît. Voilà, entre nous, là, on se connaît. Voilà, Axé Nicho, Christ sans recul. Lui, il est bêté. Mais il s'appelle Axé. Axé, c'est un nom entier. Sans doute, quand tu as fouillé là, son père était ami à un entier. Voilà. Qui aimait son affaire, des vrais amis intimes. Raison pour laquelle il lui a donné, bon tiens, t'appelles Axé. Voilà. Moi, mon collègue gendarme, il s'appelait Guédé. Voilà. Il a donné mon nom à son fils. Il a donné mon nom à son fils. Voilà. Donc, entre nous, on se connaît. On connaît notre appartenance ethnique. Voilà. Ce n'est pas une question de xénophobie. Voilà, mais c'est une question de restriction. Quand on parle de restriction, tu n'as pas tout permis. Voilà. Quand tu es accueilli dans un pays, voilà, il faut savoir comment marcher. Voilà. Il faut savoir te comporter. Mais vous rappelez cela en tout que les xénophobes. Non. Mais la Côte d'Ivoire est un état de droit. Voilà. Zulu Bogota là. Il a passé toute son enfance à Man. Mais quand il a dit, Zougou Bogota, t'es où? Il dit, lui, il se reconnaît. Il est de le Mahou. Voilà. Et puis, il parle ça bien. Et puis, il va te faire l'histoire de ses parents. Non, mon papa a 30 ans, son grand-père 30 ans. Il va parler. Mais vous, les Traoré, les Touré, qu'on a greffé là, quand vous demande, tu viens d'où? Je suis de Trésil. Trésil, c'est pas village du Nord. Hein. Quand vous demande de faire. Là, je n'ai pas de vos parents, vous n'avez pas à faire. Voilà. Donc, en tout cas, nous, on ne veut plus être opposés à nos frères. Voilà. C'est les politiciens qui ont fait de ça, l'effet de l'œuvre pour pouvoir nous manipuler. Mais on a compris. Nous, on a compris. Voilà. C'était pour des ambitions politiques. Voilà. Mais les gens, ils sont réveillés. Ils se sont réveillés. Raison pour laquelle l'honorable Konaté Zié va me dire non, Konaté c'est un homme malien. Non, Zié là, Zié, c'est nous faux. Entre nous on se connaît. Et par l'accent, on se connaît entre nous. Donc s'il a eu le cran de poser la question à Adama Bitogo, ton village c'est où? Donc tu viens d'Agoville. Parce que Adama Bitogo c'est un homme étrange. Voilà. C'est des gens qu'on a accueillis en Côte d'Ivoire. Comme ils ont fait fortune, il se croit plus ivoirien que les gens. Mais en quoi dire à quelqu'un qu'il est étranger constitue une injure? Mais ce n'est pas une injure.
Mais pourquoi vous n'acceptez pas qu'en Côte d'Ivoire, il est des étrangers? Par contre, nous, on est étrangers en France. On est étrangers aux États-Unis. On est étrangers. Même en Côte d'Ivoire, on est étrangers. Moi, je suis des Gagnois. S'il arrive à Korogo, je suis étranger à Korogo. Voilà. Parce que ce n'est pas ma région. Je ne suis pas un Africain de Korogo. Donc, je suis étranger. Mais les gens d'à côté, parce qu'ils portent des noms tous les. Non! Je suis Ivoirien. Mais tu es Ivoirien, oui, c'est. Ton village, c'est où? Voilà. Donc, c'est pas ça, on va s'identifier. Ton village, c'est où? Ton village, c'est où? C'est à combien de kilomètres d'Abidjan? Voilà. Donc, vous dites que vous avez pris les armes pour venir aider les frères du Nord. Vous avez emprisonné Soro Tambo. Soro Tambo, vous l'avez emprisonné. Pourquoi? Parce qu'il vous a dénoncé. Et puis, on l'amène à la DST. DST. Direction de sécurité territoriale. Mais ce qu'il a dit là, les propos, il a dit là. Pour qu'on puisse, on l'amène à la DST. On l'amène à la DST pourquoi? S'il a surpris des gens en train de racketter, nous autant de babos. Voilà. On nous a filmé en train de racketter. C'est passé sur RTI1. Voilà. On nous a puni. Au contraire, si vous avez donné des directives à vos forces de l'ordre de ne pas racketter et qu'un petit dans sa balade a vu des gens en train de racketter qu'il a filmé. Au contraire, il doit être félicité. Il doit être félicité. Mais vous avez des antécédents avec ce jeune homme, ce petit. Mais pourquoi un gouvernement peut tomber dans cette bassesse? Un petit de rien du tout l'amener à la DST. Mais si on a pris, si vous stipulez que l'enfant a commis une infraction en vous filmant, à Korogo là-bas, il y a un commissariat. À Korogo, il y a un commissariat. Ou même si la région de Korogo dépend de Boaké, on peut l'extrader à Boaké. Mais pourquoi le prendre à Korogo pour l'amener à Abidjan? Mais c'est que vous avez des antécédents avec ce jeune homme. C'est qu'il a fait des vidéos qui ne vous plaisaient pas. Il a fait des vidéos qui ne vous plaisaient pas. Voilà. Donc, en tout cas, posez garde, comme on le dit en langage militaire, attachez ceinture. Voilà. Vous n'allez plus manipuler les gens. Et puis, tellement que vous êtes malhonnête. Vous, tout votre parcours, là, le RDS, non pas le RDS. À la semaine, tout ce parcours, c'est la tricherie, quoi. Tu veux que tu en parles de toi, toujours. Mais sache que ça là, ce n'est que vanité. Tu as très posé ton nom sur les édifices nord, collège Ouattara Draman, institut Ouattara Draman, pont Ouattara Draman. Ça là, on peut gommer ça. On peut gommer. Tu veux forcément t'illustrer dans l'histoire. Mais ok, on veut entrer dans l'histoire, c'est d'une manière bénéfique. Mais toi, tu te rends tristement célèbre. Tu te rends tristement célèbre. Comment un gouvernement peut se mettre sous le même pied d'égalité qu'un enfant? Un enfant de 25 ans. On l'a mis à la DST. Mais la DST, il a tenu qu'à propos. Au moins, on me disait le pasteur Ngora. Si on lui on amenait à la DST, on ne pouvait pas dire ouais, lui, voilà, parce qu'il a tous les avis dans ses propos. Non, tous les doulas doivent quitter. Non, tous les doulas, on doit les chasser. Voilà, ça c'est des propos incendiaires. Voilà, lui au moins pour l'amener à la DST. Mais il a dit la vérité. Voilà, parce qu'il a fait une lecture. Il a su qu'on est, envahi. Dans au moins 20 ans, l'Ivoirien ne va plus exister. Et comme vous ne faites pas de la truc au hasard, vous avez dit l'Ivoirien nouveau. Mais depuis que l'Ivoirien a eu son nouveau, on était tous Ivoiriens. Mais c'est pas. Vous laissez pas si dans votre politique, dans votre, je sais pas quoi, aux alentours de vous là, vos conseillers, je sais pas s'ils sont là à l'école. Je sais pas si quand vous rédigez les trucs là, vous lisez après, vous cogitez. On vient, non, c'est nous, Ivoirien nouveau. Mais quand vous dites Ivoirien nouveau, c'est toujours pour nous opposer. Voilà. Donc, Ouattara, il a toujours été un diviseur. Il a toujours été un diviseur. Voilà. Par rapport à ses propos qui tient. Il Ivoirien nouveau. Au moins, si tu me dis la nouvelle république, on peut comprendre. Mais Ivoirien, il est tout Ivoirien. Pourquoi il y a Ivoirien nouveau? Pourquoi il y a Ivoirien nouveau? Pourquoi? C'est quoi le but de l'Ivoirien nouveau? Voilà, c'est parce que vous fabriquez les Ivoiriens. Voilà. Vous prenez les gens aux alentours pour les greffer, partager des quatre nationalités d'identité pour qu'ils soient Ivoiriens. Voilà, raison pour laquelle, en Côte d'Ivoire, je ne comprends pas. C'est quel pays où le citoyen de ce pays n'a pas une carte d'identité?
Il n'a pas, on peut pas, il n'a pas une carte d'identité. Bon, on vous voit venir. Il n'a pas une carte d'identité. Pourquoi l'Ivoirien, pour avoir carte d'identité, c'est dur? Pourquoi? Ça, c'est le problème. Vous voyez le vrai problème? Pourquoi l'Ivoirien, son propre pays, n'a pas carte d'identité? Pourquoi? C'est pas papier qui est, c'est pas papier qui est fini. Puisque la preuve en est, les Canada Camara, elles sont payées papier aux États-Unis. Donc, si vous estimez qu'il n'y a pas papier en Côte d'Ivoire, allez payer papier aux États-Unis pour venir faire carte d'identité des gens. Mais tout ça, c'est pour semer la cacophonie, l'ambiguïté entre les Ivoiriens pour nous opposer. Mais on a compris maintenant. Hein? Voilà, on a compris. Les gens commencent à comprendre maintenant. Si un député, et c'est normal, un député, il représente la population. Donc il a parlé au nom de la population. Et c'est un député. Voilà. Il a dit à Adama Bitogo, ton village c'est où? Ton village c'est où? C'est pas une injure. Voilà. Parce que chacun sait s'identifier. Moi, me demande, tu viens d'où? Ah, ok, c'est alors à Gagnoua. Ou bien, Amina, tu viens où? Non, Mankono. Voilà, ici de Mankono. Mais mon papa, lorsqu'on a accouché à Mankono, il a fui, il a mis celle-là à Divo. Voilà, c'est à Divo et grandit. Non, non, c'est où? On sait d'où on vient. Voilà. Il ne peut jamais dire que c'est Koyaka de Mankono. Ou donc Koyaka de Divo. Il sait d'où il vient. Mais la plupart des déracinés, des gens qu'on a greffés là, qu'on les demande, ici, c'est nouveau de Man. À Man, là, c'est nouveau là-bas. À Malaya, c'est nous là-bas. Voilà. Dans les travaux que j'ai fait là, en tout cas, vous n'allez plus nous opposer. Et c'est vous qu'on fait notre vidéo, on vient parler d'Ivoiriens, vous, ça vous gêne. Mais toi, tu es étranger. Les Ivoiriens parlent de eux, leurs problèmes, vous, ça vous gêne pourquoi? C'est parce que le chaos, vous êtes profitable. Vous allez profiter du chaos pour pouvoir piller nos richesses et ensuite aller dans vos pays. Parce que vous êtes deux pays. Nous, on n'a pas deux pays. Hein. Voilà. On n'a pas deux pays, raison pour laquelle on protège nos pays. Voilà, on protège notre identité. Parce qu'on n'a pas deux pays. Voilà. Et c'est un devoir de le faire. Voilà. Les gilets jaunes qui manifestent là. Les gars qui ont 72 ans. Et ils ont fini de faire leur vie. Mais eux, ils luttent pour les petits-enfants. Voilà. Et ils luttent pour les petits-enfants. Voilà. Nous, on lutte aussi pour nos petits-enfants. Voilà. Donc sûr, on veut se définir en tant qu'un bon Ivoirien. On doit savoir faire la part des choses. Voilà. Vous employez les thèmes bizarres, non, ils sont xénophobes. Mais avant d'employer le terme xénophobie là, allez regarder dans le dictionnaire. Quand on dit être xénophobe, c'est être hostile à tout étranger qui vit son territoire. Voilà, quand on dit être hostile là, c'est employer la violence. Mais si on était hostile, on était xénophobe là, la Côte d'Ivoire n'est pas abrité 50% d'étrangers qui viennent de la sous-région sur son sol. Voilà, ça prouve que nous on n'est pas xénophobe. Voilà. Parce que c'est quoi la xénophobie? La xénophobie, c'est quand tu vois un Libanais qui est dans ton pays en train de prospérer, tu es aigri, tu sors voler de son magasin, tu casses son xénophobie. Parce que tu es hostile. Tu es hostile aux étrangers. Voilà, tu es hostile contre l'épanouissement. Tu es hostile parce qu'ils font fortune. Et son xénophobie. Mais est-ce que vous avez déjà entendu en Côte d'Ivoire? On dit un Libanais a fait fortune. Les Libanais sont venus le frapper pour prendre son truc. Et ça, c'est pas xénophobie. On appelle ça la nationalisation. Voilà, comme parce que vous n'avez pas fait l'histoire. Voilà. Fidel Castro, c'est quoi qu'il a opposé aux Américains? Voilà. Quand il a vu que les Américains avaient une politique tordue, il a dit bon, toutes les industries américaines, il va les nationaliser. Voilà. Et il s'est accaparé les sociétés américaines. Voilà. Donc, il y a les thèmes là, souvent là, je ne sais pas, les thèmes mnémotechniques. Donc, quand on veut venir séduire un débat, il faudrait qu'on sache connaître les expressions. Voilà. Si nous, on s'accapare des sociétés, de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, les stations, ce n'est pas de la xénophobie. On appelle ça la nationalisation. Voilà. La nationalisation. Donc, c'est différent. C'est différent des xénophobies. Xénophobie, c'est être hostile, suivi de violence. Voilà. Xénophobie, être xénophobe à l'encontre de quelqu'un, c'est être hostile contre son épanouissement. Voilà, suivi des violences. Voilà, donc on va remplir les mots. Il faut savoir, il faut connaître la définition dans son étymologie propre. Voilà, on ne vient pas remplir les mots, non, ils sont xénophobes. Dans le fait de dire, ah, ton village c'est où là? C'est xénophobie, non? Parce que je veux savoir qui est en face de moi. Voilà. Parce que depuis la rébellion, on est mélangé, on ne sait pas qui est qui. Et puis eux-mêmes là, ils sont trahis, hein. Comment Ahmed Bakayoko il vient s'arrêter à l'Assemblée nationale pour dire non, dans notre armée, il y a trop d'étrangers, il y a d'autres qui sont pas ivoiriens.
On doit prouver qu'ils sont ivoiriens. Ah, mais ça, c'est une honte. Et puis on vient de ça. Mais ça, c'est une honte pour vous. C'est une honte. Ça veut dire que tous ceux qui ont des habiletés. On ne sait plus qui est dans ce pays. Puisque dans notre armée, il y a étrangers. Dans notre armée, il y a étrangers. Même si vous avez su qu'il y avait des étrangers dans notre armée là, ça c'est des trucs qu'on fait aux quatre. Quand on dit aux quatre, on fait ça en secret. Pour ne pas que nous on prenne écho. On fait ça aux quatre et puis on les stipe un peu. Mais pour montrer que vous faites du bon travail, que vous enfoncez vous-même, vous discréditez. Vous voyez, c'est nous, on a dit non, que vous avez pris les gens d'ailleurs pour venir attaquer le pays. Vous avez dit non, la Côte d'Ivoire, la rébellion, c'est une crise interne. C'est Ivoirien entre Ivoirien. Parce que si c'était prouvé que c'était des gens, c'était une attaque extérieure, l'armée française allait les bombarder. Pourquoi? Parce que ouais, il y a un accord qui a été signé entre Oufou et Poudi. Quand la Côte d'Ivoire est attaquée de l'extérieur, l'armée française doit réprimer les assaillants. Mais vous voulez faire croire que non, c'est les fils du Nord. Voilà. Or, pourtant, il y avait des étrangers derrière. Voilà. Et maintenant, comme Dieu ne dort pas, Ahmed Bakayoko, il veut s'asseoir à l'Assemblée nationale pour dire non, dans notre armée, il y a assez d'étrangers. Ils n'ont qu'à prouver qu'ils sont ivoiriens. Mais les étrangers, ils sont passés par où pour être dans notre armée là? Ces étrangers là, ils sont passés par où? Au moins c'était un, on peut dire à fuite. Mais au moins 500, au moins 1000 étrangers dans notre armée. Ils font quoi là-bas? Quand on parle d'Ivoirien, d'abord on dit non, xénophobe. C'est pas une question de xénophobie. Parce qu'un Ivoirien doit être à l'aise chez lui. Voilà. Un Ivoirien doit être à l'aise chez lui. Je vais vous montrer une vidéo. Voilà. Ivoirien doit être à l'aise chez lui. Voilà. Quand on dit ça, on est xénophobe. Mais quand d'autres le disent, c'est pas xénophobie. Aïe. Écoutez les mots. Écoutez bien les mots. Hein. Voilà. Parce que quand vous on parle là, vous là, c'est l'homme, vous allez, mais vous ne pouvez pas comprendre. Écoutez bien les mots de ce que les gens m'ont dit tout à l'heure ici là. Où est la vidéo même? Oh, où est la vidéo? 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 Écoutez bien les mots, hein, ce que les gens m'ont dit ici. Ah, parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Jamais plus sordide. Nous sommes l'avenir. Jamais plus sordide. Écoutez, hein. Nous sommes plus sordide. Jamais plus sordide. Nous sommes plus sordide. Nous sommes l'avenir. Fiers de nos racines. Conscients de l'héritage. Nous sommes l'avenir. Fiers de nos racines. Conscients de l'héritage. Écoutez bien. Français d'abord, clandestin dehors. Quand elle dit ça, ça fait pas de scandale. Mais il veut porter les racines. Il me l'a dit ça. Il est fier. Mais pourquoi vous ne pouvez pas être fier de vous? Disons, on dit, on veut préserver notre identité. On veut préserver notre identité. Mais pourquoi vous voulez forcément être ivoirien? Quand tu veux être ivoirien, c'est pas impossible. C'est pas la porte du paradis. Il suffit de faire une demande. Parce qu'il a dit, tu peux migrer en Côte d'Ivoire à l'âge de 4 ans. Tu as vécu pendant 30 ans en Côte d'Ivoire. Tu as 34 ans. Tu sais parler Wobé. Tu sais parler Guéré. Lors d'un contrôle, si on te demande tes pièces, que tu n'as pas de pièces, mais tu es considéré comme un étranger. Tu as dit non, ici là il y a longtemps, non. Tu es là longtemps, mais est-ce que tu as fait une demande de naturalisation? Parce qu'il faut demander. Pour être ivoirien, il faut demander. Ici, les gens, ils font 5 ans de séjour après. Ils demandent, ouais, je veux être français. Et c'est par décret. Tu deviens français. Mais vous, partez ramasser les extraits de naissance des morts. Non. Je suis de Divo. Je suis Koyaka de Divo. Je suis Dula d'Akoupé. Ça existe où ça là? Où ça existe? Donc, en tout cas, moi, je suis très content aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les frères du Nord, ils ont compris. Voilà. Et on va faire des restrictions. Voilà. On va faire des restrictions parce qu'on a été victime de notre hospitalité. On a été victime de notre hospitalité.
Et les frères du Nord, ils ont compris. Et mais ils ont compris ça. Parce que le travailleur de Mali, il était dans son Mali natal, il est venu en Côte d'Ivoire, dans le Nord, chez un autre travailleur. Vu qu'il a parlé du Bambara, il parle du Bambara. Maintenant, le patriarche travailleur, quand il décède, le travailleur du Mali, là, lui, se croit plus le fils du travailleur qu'il a trouvé en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, il cherche à le tuer pour prendre l'héritage du Traoré patriarche. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe actuellement là. C'est ce qui se passe dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui se passe. Et qu'on parle, on dit non, ils sont contre les étrangers. Non, on n'est pas contre les étrangers. On veut maintenant dissocier. Parce qu'on a compris que, ouais, on a été victime de notre hospitalité. Et ne pas confondre l'hospitalité avec un centre hospitalier. Un centre hospitalier, on ne fait pas la part des choses. Si tu es chinois, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est CHU. Voilà, hôpital. Centre hospitalier universitaire, à ne pas confondre avec l'hospitalité. Voilà. Quand tu es hospitalier, on reçoit tout le monde. Voilà. À l'hôpital, on reçoit tout le monde. On ne fait pas la part des choses. Le malade n'a pas de couleur. C'est pour juste sauver une vie. Voilà. Mais ne pas confondre avec l'hospitalité. L'hospitalité, je reçois qui je veux. Je reçois qui je veux sur mon sol. Mais par contre, hospitalier, on reçoit tout le monde. À l'hôpital, centre hospitalier universitaire, on reçoit tout le monde là-bas. Voilà. Donc, nous, on veut installer cette restriction. Parce que les gens ont compris que, ouais, entre les Ivoiriens, il n'y a pas de problème. Mais c'est certains rabat-joie venus d'ailleurs qui ont des noms qui sont même chose pour nous, qui veulent s'aimer l'ambiguïté pour pouvoir nous opposer. Et maintenant, eux, ils vont profiter de ce chaos pour prendre nos richesses et fuir aller dans les pays. Nous, on a compris ça. Sinon, la preuve en est. Les gens, ils ont fait rébellion. Ils ont coupé le pays en deux. Voilà. Il y avait deux États. Il y avait un en Côte d'Ivoire. Il y avait un au sud, il y avait un au nord. Tout cacao de va voilà. Ils ont pris, ils l'ont mis au Burkina. Tout cacao de va voilà, ils ont pris. La boule de cacao, ils ont pris, ils l'ont mis au chez eux. Au Burkina. Depuis quand Burkina, il y a cacao là-bas. Et le Burkina a été le troisième pays exportateur de café cacao. Pourquoi? Par le biais des soudards, des rabat-joie, des spadassiens qui étaient à la solde de Damo Ouattara. Voilà. Donc si aujourd'hui, nous ne veut plus tomber dans cette crise d'identité, c'est notre droit le plus absolu de pouvoir s'identifier. Voilà. Donc moi, si tu dis que tu es Ivoirien, ton village c'est où là? C'est pas un jus. Ton village c'est où? C'est où ton village? Voilà. Moi, le morceau il est mis là. Il sait que ça, c'est dans le Maou. Voilà, dans le fin fond de le Maou. Voilà, c'est le Maouka. Le morceau est mis là. Ça là. C'est qui chante comme ça. On se connaît entre nous ici. Voilà. Ok, moi, il voit mal un étranger en train d'écouter ça chez lui. Même moi, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Mais parce que c'est mes frères ivoiriens, j'écoute. Je ne comprends pas ce qu'ils disent. Mais parce qu'on se connaît entre nous. Voilà. On n'a jamais été opposés. Et moi, je vous dis un truc. Voilà, quand on était petit là, c'est les gens du Nord qui étaient les plus hospitaliers. Voilà. Après eux là, c'est les BT. Des gens les plus hospitaliers. Je m'explique. Quand on était petit, tu as CP Boost, tu as Abidjan, parce qu'avant on mutait bêtement. Tu as eu ton PPC à Abidjan. On te mute, soit à Boaké. Tu danses ton propre frère, de même maintenant, soit tu es baoulé. On t'a muté à Boaké. Tu es dans une famille baoulée. Tu demandes, ah, tonton, comment on va muter ici là? Il n'y a pas de tuteur, je vais être tuteur. Oh, c'est baoulé. Il va refuser. On dit non, au moins j'ai pas les moyens. Mais quand il va dans les familles Djoula, que ah, monsieur Kone, il vient d'arriver, mais il n'y a pas les tuteurs. Le Djoula, il te prend. Au même titre que tes enfants, il paye fourniture pour toi. Il n'a pas besoin d'or. Pour que ton père te fasse mandat pour dire non, ton père a bien va t'envoyer mandat pour t'esclaviser. Non, le Djoula lui-même, il te prend en compte. Ça, c'est ce que le Djoula faisait. Avant. Mais depuis que Ouattara a réussi à nous diviser. Tali Sengu va dire, il a Kafri Bidana, Bousmani.
Avant ça, ça n'existait pas. Avant là, tu ne peux pas te dire boost money. Jamais, ça n'existe pas. Tu ne peux pas te dire boost money. Mais c'est depuis que Ouattara est venu. Elles sont toutes les xénophobies, mensonges là. La crée tout ça. Et puis ce qui est bizarre, pour ceux qui ont travaillé à la zone, on a passé à la zone industrielle de Yopougon, bien Koumassi là. Quand le Libanais donne un petit pouvoir à un noir pour pouvoir contrôler ses frères noirs, c'est lui-même. Au lieu d'arranger ses frères noirs, il crée toutes les misères. Il les persécute. Pourquoi? Pour plaire au maître. Ils vont dire, mais pourquoi dessin animé énumère cela? Tu vous fais juste une juxtaposition. Quand le Libanais, là, il donne une petite responsabilité à nos frères noirs pour nous contrôler, c'est lui-même. Au lieu de nous favoriser, il nous persécute. Il nous persécute. Il nous mène toutes les misères. Et Ouattara, Draman, en 91, il était premier ministre. 91, il était premier ministre. Tac! Il a instauré la carte de séjour. Voilà, pour persécuter ses frères étrangers. Et ça, c'est pas ce qu'il punissait. En 92, c'est lui, par le biais de Guy Robert, qui allait déloger les mendiants devant les mosquées, les frapper. Nous, on était petits, on savait tout ça, on avait écho. En 92, au plateau, non, pourquoi les mendiants et les mendiants au plateau? Pourquoi les mendiants au plateau? Ils salissent, ils cachent ici. Commando Belerouche allait frapper les vieux mendiants devant les mosquées, les estiper, les boxer, par force. Les anciens, ils savent de quoi ils parlent. Tout ça, c'était quand Ouattara Draman, il était premier ministre. Voilà, d'abord, instaurer la carte de séjour pour frapper ses frères étrangers. Parce qu'il veut plaire, il voulait plaire à Oufoué. Pour que lui, ouais, lui, il est plus ivoirien. Donc, il a commencé à instaurer la carte de séjour pour frapper ses propres frères étrangers. Voilà. Gbagbo, comme le problème de vivre ensemble, il est venu, il a enlevé. Les gens disent non, mais pourquoi Gbagbo a enlevé? Voilà, parce qu'à un moment donné, les politiques ont pris de ces faits pour faire une source de conflit. Ils disent non, que Gbagbo est xénophobe, que Tarantin, il n'aime pas les gens du Nord. Donc, pour enlever toute suspicion, il est obligé de supprimer la carte de séjour. Voilà. Il est obligé de supprimer la carte de séjour. Et quand les gens disent non dans les barrages, non, quand tu es ivoirien, tu es un non-traoré, on arrête à 40. Mais je pensais, entre nous, on se connaît. Mais un gars qui a 40 ans ivoirien, il s'appelle Traoré. Mais lui, son accent, c'est un accent moi aussi. Ah, dans le champion, ça a 40 ans, laissez partir ça. Je l'arrache. Donc, Ouattara a fait ça, sa propagande. Pour dire non, les Ivoiriens, dit non, ils ne sont pas aimés. Que sont les barrages, on arrache la 40 ans, on arrache. Mais les gens ont bradé la nationalité. Moi, je connais un gars il y a longtemps. Voilà, personne n'aime les morts. Un Koyaka, dans notre quartier. Ça s'appelle Soumaro Mbeku. Voilà. Soumaro Mbeku, quand Edi a commencé le nouvellement là, lui chez lui à la maison, lui fabriquait 40. Voilà. Soumaro Mbeku, il fabriquait 40 et puis il distribuait aux gens. Voilà. Donc quand toi tu es dans ton barrage, tu demandes 40 de quelqu'un, et puis il sort 40 ivoirien. Et puis tu vois, lui, il est balafré, il a escarification. Mais champion. Hein. Ah non. Et puis son accent. Tu peux être, je dis pas, tu peux être naturalisé. Mais le gars, mais d'abord, il n'a pas ça sur lui. Lui, il a 40. De Côte d'Ivoire. Mais champion, on va l'arracher. Mais au fait, Ouattara, c'est un génie. Il a planifié son coup. Il a planifié son coup. Et puis moi, ce qui est bizarre, quelqu'un qui dit il est venu sauver les Ivoiriens. Tu rentres en hostilité à être adversaire. Et toi, tu coupes les médicaments. Tu ne veux pas que les médicaments viennent en Côte d'Ivoire. Mais tes partisans là, qui te soutiennent là, eux, ils se soignent comment? Je pose la question. Tes partisans, ils se soignent comment? Voilà. À cause du pouvoir d'État, tu as mis en péril la vie de toute une nation, y compris tes partisans. Ça prouve que tu es un ingrat, tu es un égoïste, tu penses à toi seul. Mais moi, je suis content aujourd'hui.
Parce que les fautes ne t'ont compris. Et tellement que tu n'es pas prêt, tellement que tu es tout dans ta logique machiavélique. RDS, ce n'est pas pour toi. C'est RDS qui t'a porté au pouvoir. Mais pourquoi je ne peux pas être reconnaissant à Johnny Kobina? Aujourd'hui, pourquoi on parle de toi? Toi, tu laisses le RDS, tu crées RHDP. Tu dis que tu es oufoutiste. Or, pourtant, ce que vous faut faire, ce que vous pouvez faire là, ce n'est pas les traces de vous suivez. Parce que vous avez divisé le pays. Vous avez divisé le pays. Vous avez divisé l'âme dans le pays. Vous avez mis l'âme dans le pays. Pourquoi? Pensez à vous seul. L'ambition politique. Voilà. Mais Dieu merci. Il y a l'aide des vidéomans qui existent. Voilà. Donc toutes vos supercheries, on va dénoncer ça. Voilà. Big up à l'honorable qu'on a tésié, qui a posé question à l'autre là. Big Togo, il vient d'Agboville. Agboville là, c'est chez la bain. Il t'a posé question. Ton village c'est où? On se connaît entre nous. Nous on se connaît entre nous. Voilà. Pas qu'on n'aime pas l'étranger, mais juste protéger nous, notre identité. Voilà. Parce que tu as envoyé des deux autres en Côte d'Ivoire. Tu as envoyé les deux autres en Côte d'Ivoire. La preuve, Ahmed Bakayoko est venu sur les antennes à l'Assemblée nationale pour dire de notre armée. Il y a au même 1000 étrangers qui sont sous le drapeau. Mais ils ont passé par où? C'est les soldats, les sbires, les espadassins, les mercenaires que vous avez recrutés pour vous prêter main forte. Et ça, c'est malsain. Voilà. Parce que ces gens, encore, ils seront frustrés. Et c'est eux qui sont devenus la coupe de route. Donc, on se plaint, on dit non, il y a coupé de route. C'est pas les Ivoiriens. Ils vont même aimer pas la violence. Nous, là, on n'est pas violents. Voilà. Nous, on fait un petit palap. Après, le soir, on cause, on s'en boit la maquille. Mais tout ça, ça existe. Pourquoi? À cause de Ouattara. Vraiment Ouattara. Mais comme on dit, le temps est un nom de Dieu. Toi-même, tu t'es exposé comme ça. Tu t'es exposé. Pour ça, les gens savent que tu n'es pas là pour arranger le pays. Diviser pour mieux régner. Ça marchait en 2000. En 2002. Mais cette fois-ci, voilà. Ça ne marchera pas. Parce qu'on t'a à l'œil. Voilà. Les vidéos, ils sont là. Tout ce qui est mal placé, on place ça bien. Voilà. Fier d'être Ivoirien. Ton village, c'est où, Ouattara? La question revient toujours. Voilà. Parce que moi, je sais que quand tu es cadre de ton village, là, c'est confiance de maison. On dit là, il est cadre de 30 ans. Il est président. Ah, il est où, ça, le de Kong? Ah, va à Kong, tu vois. La maison, tu l'as mis là-bas. Va à Kong. Mais toi, c'est ton village. Viens. On ne voit pas. On ne sait pas qui t'a fait CP1. On ne sait pas qui t'a fait CP1. On dit un homme, il marche, il laisse des traces. Mais toi, des traces, je ne sais pas si quand tu marchais, tu effaçais. Parce que en temps normal, l'homme qui marche là, même si tu es effacé là, quand tu effaces, tu marches encore, il y a trace. Tu veux effacer les traces, mais quand tu marches, il y a trace. Mais toi, tu as effacé toutes les traces. Mais c'est Tiakone qui t'a débusqué. C'est tout ce que Tiakone a dit là. C'est la vérité. Voilà. Nous, moi, ton affaire d'Ivoirien, si tu es Ivoirien, t'es mieux si tu es Ivoirien. Mais on dit, tu as des nationalités douteuses. C'est ça le problème. C'est ça qui t'a écarté. Les gens n'ont pas dit, tu n'es pas Ivoirien. On dit, certes, tu es Ivoirien. Mais tu t'es prévalu d'une autre nationalité. C'est ça qui t'a expulsé. Fallait expliquer ça aux gens. Non, on dit ouais, faut pas me présenter parce que je suis du là. Eux, tu ne remplissais pas les conditions. La constitution, il supplie que ouais, pour être candidat à la présidentielle, il faut avoir séjourné 5 ans consécutifs dans notre pays. Ça, c'est un. Tu n'as pas séjourné 5 ans consécutifs. Ça t'écartait. On dit que tu t'es prévalu d'une autre nationalité. C'est ça aussi. Tu t'es prévalu de la nationalité voltaïque. Bon, tu es Ivoirien, mais pourquoi tu t'es prévalu de la nationalité voltaïque? Et c'est aussi qu'on dit ça. Tu refuses de croire, mais toi tu es prêt à dire non, ici Sénégalais. Mais quand tu allais faire campagne de choses là, des trucs là, de. Le président sénégalais là, le Macky Sall, fallait dire non, moi, mais c'est Burkinabé. Maintenant que tu as honte, tu discrédites, tu jettes le propre sur les Burkinabé. Un peuple intègre, tu jettes le propre sur eux. Tu jettes le propre sur eux. Non, ici Sénégalais, voter à Blaouat, n'a même pas honte.
Putain. Non. Ouais. Voilà. En tout cas, ceux qui peuvent nous sauver d'affaires là, c'est les frères du Nord. Voilà, c'est eux. C'est eux, on manipule facilement. Mais ils ont compris. Ils ont commencé à comprendre. Si un député dit, ah, ton village, c'est où? Ah, c'est que c'est chaud, c'est ça que ouais. C'est les étrangers qui viennent foutre la merde entre nous. Non, nous, on sait, mais c'est eux qui foutent la merde entre nous. Si le député dit, ah, ton village, c'est où? C'est qu'il y a, y a Anguille sous Roche. Voilà, c'est qu'il y a Anguille sous Roche. C'est que c'est chaud. Voilà, c'est que c'est chaud. Donc moi, big up aux gens du Nord, big up. Big up à la chose, à l'honorable Zié. Entre nous, on se connaît, les noms, on se connaît. Même si c'est un nom Traoré, c'est là. Traoré, c'est là de Côte d'Ivoire. Traoré, c'est là du Mali. On connaît. Parce que Traoré, c'est là de Côte d'Ivoire. Lui va te donner son arbre généalogique. Il va dire, ah, mon père s'appelait Mangbé. Mangbé, là, il a accouché. Khadija, Khadija, là, son descendant, tantan, il vient de tantan. Mais Traoré, c'est là de Mali. Tu viens d'où ça? Il met, il saute, il saute au dîner. Bon, ta grand-famille, c'est. On l'appelait comment? Il ne peut pas dire. Il peut pas dire. Voilà. Nangoya Manga. Lui, tu viens d'où? Tu viens d'où? Hey, le Maou! Ah, c'est le Vanessa. Les Marocains vont me tuer. Non, ils sont trop forts, les voilà. Bon, les marrons, les bras, ça fait 1 minute 3. Voilà. Donc, libérer carton noir. Voilà. Libérer carton noir. Et dans la constitution, on dit, ouais, tout Ivoirien ne doit pas être contraint en exil. Voilà. Voilà, nous, on est en exil ici. Pour chasser, pour nous tuer. Pourquoi? Parce que, ouais, les étrangers ont pris la Côte d'Ivoire. Voilà. Ils veulent s'accaparer notre terre. Mais bientôt. Le sionisme ivoirien. Rien dans le dictionnaire, ce que ça veut dire. Quand on dit sionisme, là, le sionisme. Parce que j'ai l'impression que ouais, on parle avec des gens qui sont illettrés, qui ne comprennent pas le français. Voilà, eux là, je ne sais pas si comment ils comprennent le français là. On ne sait pas. Voilà. C'est qu'on dit là, eux, ils mélangent ça. Voilà. C'est qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils disent. Voilà. Bientôt, le sionisme ivoirien. Tu sais. Ciao, ciao. Dessin animé, tu vous jasses.